Coucou, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu deux enveloppes ce matin de Marie-Thérèse R ou Maïté. Ça faisait un petit moment qu'elle m'envoyait des mails, elle s'inquiétait parce que ses colis n'arrivaient pas. Donc celle-ci, elle est partie le 15 et elle ne fait que d'arriver de ce matin. Et l'autre, elle est partie le 30 et elle est arrivée ce matin. Donc on va découvrir, j'ai ouvert l'enveloppe. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Et ben, alors attendez. Waouh. Et ben, voilà. Elle est encore dedans. Il n'y a plus rien. Alors, je suppose que c'est sa petite carte. Je te souhaite une bonne fête de Noël à ta petite fille Télia. Bisous Marie-Thérèse. Alors, à l'intérieur, elle m'a fait un tampon de boule de chez Action. Elle m'a mis un petit flocon doré. Alors, attendez, on va faire comment? On va faire comme ça. Et là, dedans, elle m'a mis un petit pingouin avec des petites perles rouges et blanches. Tiens, une petite boule de neige, une découpe qu'elle a dû faire avec un, ah non, un die, je pense, avec un die. Voilà, donc ça, c'est le derrière de la carte avec des feuilles de houx, des cloches, des boules de neige, oh, des boules de Noël. Et là devant, elle m'a mis un petit Père Noël en bois. Elle a fait une découpe de feuilles de houx. Alors, attendez, parce que là. Ah non, c'est une découpe. Elle a fait une découpe de travers. Ah non, elle a fait une découpe de die avec un die. Attendez, je regarde. Non. C'est juste une découpe qu'elle a dû prendre sur un bloc de papier. Là, elle m'a découpé des petites pommes de pin qu'elle a collées. Son petit Père Noël. C'est mignon, mignon. Je te remercie, Marie-Thérèse. Ensuite, ici, j'ai une deuxième carte. Ben oui, moi aussi, je te souhaite de plein de bonnes choses. Oui, c'est vrai que le virus s'en aille, ce serait bien, bien gentil. Qu'il nous lâche un petit peu. Donc là, elle a fait pareil, je pense que c'est sur un album, une découpe du Père Noël. Ici, elle m'a mis un petit pingouin vert, des demi-perles. Et là, elle a dû mettre comme des petits sequins autour. Ils sont mignons les petits. Oh, il y a du scotch là. Ils sont mignons les petits pingouins. Et derrière, son joli papier. Même celui du dessus, c'est sympa avec les timbres. Les petits timbres comme ça là. Ben, merci, merci. Ensuite, ben, là, elle a fait des folies. Elle a fait des folies, Maïté. Alors, vous voulez le scotch. On déchire tout. Wow. Ouh là 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 là. Que ça me plaît bien tout ça. Alors là, il y a des fleurs. Alors, attendez, on va mettre ça là. Là, j'ai des jolies roses en mousse. Avec du tulle à petits points. Il y a des petits points dedans. Elles sont jolies ces roses.
Ensuite, j'ai une jolie fleur blanche, bleue. C'est encore une blanche. Là, c'est une orange. Ça. Voilà, des jolies fleurs. Elles doivent venir de chez tonton Ali, parce que moi j'en ai acheté, mais des toutes petites. Celle-là, à l'envers. Voilà. Ensuite, j'ai une jolie rose. Une rose en tissu. Et là, j'ai plein de petites fleurs. Ça, j'aime bien ces petites fleurs là moi. Voilà, petite fleur blanche. Et là j'ai des petites marguerites, on dirait du bois, en bois, ouais, ça doit être du bois. Elles sont sympas aussi. Hein. J'aime bien mes petits sujets en bois comme ça. Bah, dis donc, Maïté. Hein. C'est un cadeau de Noël, ça. Hein. Hop, on va ranger ça. Vraiment joli ces petites roses en mousse. Voilà. Elle m'a envoyé des jolies roses. Je pense que c'est chez Action. Donc c'est un bleu gris. Il y a des roses blanches, des demi-perles diamants, des petits cœurs en gris. Merci, merci Maïté. J'aime beaucoup. Ensuite, ici, elle a dû me faire des découpes parce que Maïté a de très jolies découpes. En plus, son enveloppe, elle a fait un petit bord avec feuilles de houx, des petites étoiles rouges. Ici, elle m'a collé un petit Père Noël avec une... un flocon de neige couleur or. Alors, voyons voir. Des petites découpes. Ah, bah ça tombe bien. Des petites bobinettes. Pour mettre des fois des petits rubans. Alors, attendez. Commencer par les plus gros. Ici, une jolie découpe de napperon. Ça m'a fait... orange, jaune. Comme on a fait deux jaunes, deux oranges. J'aime beaucoup cette découpe là. Ensuite, oh bah c'est mignon, ça m'a fait un petit lit de bébé. Ensuite, elle m'a fait des genres de bobines. Ensuite, Happy Birthday. Oh, c'est mignon, un petit ballon. Un petit ballon. Ensuite, maman a refait des blancs. Elle m'a fait un petit lit bleu. Bleu ou ah non, il y en a deux dedans. Ouais, je crois qu'il y en a deux dedans. Non, il y en a qu'un. Ah non, si, il y en a deux. Hop. Voilà. Pour
faire un album de bébé. Mais chez moi, je ne pense pas que j'aurai d'autres petits-enfants. Ils ont donné. Là, ce sont des petites images de Noël. Ça, c'est très joli aussi. Avec Père Noël, petits-enfants qui jouent dans la neige. Hop. Donc là, j'ai des découpes. Plus grande, plus petite, comme ça. Hop, j'ai encore des petites images. Hop là. Ensuite, ce sont des découpes. Ça veut des petites enveloppes, ça. On les plie. Voilà. Là, ce sont des mini enveloppes. J'ai la tenir. Ce sont des mini enveloppes. Voilà, on avait fait une en plus. Ça, ce sont des petits tags. Ça. Là, il y en a un plus petit. Là, c'est encore une mini enveloppe. Oups. Là, il y a encore. Ah, bah, ça, c'est gentil, ça. C'est mignon avec les feuilles Père Noël, comme ça, donne les feuilles de houx. J'ai encore des images. À l'endroit ou à l'envers, avec comme ça. Oui. Une petite fille. Ça, c'est des petites découpes. J'ai une petite fleur, toute petite, petite. Si j'arrive à l'attraper. Et là, c'est une toute petite découpe, comme ça. Voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini du tout. C'est dommage parce que le scotch il déchire la serviette. Oh. Pour éviter de la déchirer le plus possible. Oh, elle est jolie sa serviette. Une serviette avec un bonhomme de neige, un gros bonhomme de neige, sympa pour mettre sur une carte. Et encore. Alors, ça s'ouvre où ça? Où est-ce que ça s'ouvre? Un joli embellissement. Allez. Elle m'a mis merci. Elle a mis des petites perles, des petites fleurs. Elles sont jolies aussi, ces petites fleurs-là. Derrière, il y a. Attendez, j'ai peur d'aller. Oh! C'est sympa, regardez, quand on l'ouvre, elle a mis une petite tasse au chocolat, c'est un petit poudrier, des petites roses, des petits papillons. Et là, derrière, elle a mis, ah oui, derrière la fleur, elle a collé un embellissement de chez Action en métal. Oh, c'est mignon. C'est du pliage. Moi, je te remercie beaucoup, Maïté. Merci, merci. Donc, on va continuer avec la deuxième enveloppe.
Hop. Alors. Alors là, il y a un joli papillon. Des libellules. Une jolie petite cage à oiseaux. Là, elle a dû faire la fermeture avec ses cages à oiseaux. Hop, ils ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes en plus. On va les enlever. Hop, que je mette à l'endroit, ce sera mieux. Là. Des jolies petites cages à oiseaux, des petites libellules, un papillon. Hop, alors là. Bah oui, effectivement, la poste était en retard, hein, Maïté. Hein. Enfin, j'avais peur pour toi, parce que je me suis dit, si elle a envoyé des enveloppes et que je les reçois jamais, et que c'est perdu, c'est embêtant quand même. Hein. J'étais vraiment désolée. Hein. Mais bon, voilà, c'est arrivé. Donc ici, j'ai une petite carte. Bah oui, je t'en remercie, Maïté. C'est vraiment mignon. C'est tout mignon. Bon, attendez. On va cacher le mot. À l'intérieur, elle a fait une... C'est bizarre, c'est épais, ça. Comment elle a fait ça? On dirait avec... plastique fou. Plastique dingue, là. Elle m'a mis un petit fan. Joyeux Noël. Elle a fait sur une découpe de papier marron. C'est sympa, ça. On dirait du plastique dingue. Et voilà, ici, elle me met un petit cœur avec un petit ours mignon comme tout. J'aime bien le papier, j'aime bien ce jaune. J'ai pas trouvé, moi, si c'est à Action ou quoi, j'ai pas trouvé ces papiers-là, moi. Très joli, elle a fait une découpe de cœur, elle a mis sa petite photo de l'ours tout au milieu, là. C'est vraiment joli. Ensuite, on continue. Ça aurait été vraiment embêtant que tu perdes tout ça, hein. Oh, c'est adorable ça. J'adore. Les petits ours comme ça, j'adore. Alors, voici le premier. J'adore les petits ours. Voici le deuxième. D'art Valentine avec tes petits poussins. C'est mignon comme tout. J'espère que vous voyez bien. Là, c'est un petit panda. Vraiment mignon. Je sais pas où est-ce que tu as eu ça. Par chez nous, il n'y a pas tout ça. Enfin, par chez moi, je trouve rien, moi. Alors. Et ensuite, oh, c'est joli, ça. Ça s'ouvre comment? Là, ici. C'est vraiment joli ça. Allez. Un petit éventail avec un petit pompon rouge. Et dessus, il est noté 24K Gold Plated. C'est pas marqué en français, donc je peux pas vous dire. Mais je pense que c'est l'anniversaire ou le Noël chinois. Regardez, il y a des écritures chinoises là. Et c'est marqué Chine. C'est joli. C'est vraiment beau, ça. J'aime beaucoup. Puis c'est solide, hein. Ouais, c'est vraiment joli.
Eh bien, je te remercie beaucoup, Maïté. Je suis très heureuse de les avoir enfin reçus. Donc, je vais poster ma vidéo, mais je pense que je vais t'envoyer un petit mail avant pour te rassurer. Et je te remercie encore. Je vous fais des bisous. Je t'embrasse très fort, Maïté. Et je vous dis à bientôt. J'ai encore un petit tuto à vous faire avec une commande de chez Tonton Ali. Je vous embrasse. Bisous, bisous.